Le secteur de la construction vient de rentrer dans une phase de conflit social au niveau de la négociation de la convention collective. La convention collective est venue à échéance l'année passée. L'OGBL a élaboré avec les autres syndicats un cahier de revendications et nous sommes concentrés sur des points cruciaux tels que l'augmentation des salaires réels des salariés, une revalorisation importante des salariés, l'intégration des salariés administratifs, les personnes qui ne travaillent pas sur chantier dans la convention collective, l'augmentation des congés et d'autres améliorations qualitatives et quantitatives. Il faut savoir que le secteur de la construction est un secteur qui va très bien, est en plein essor, a une croissance économique importante, des carnets de commandes bien remplis, des marges, une productivité qui sont très intéressantes. Les perspectives futures, et ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est le Statex et l'Eurostat qui le disent, prévoient une augmentation, une croissance importante, encore une fois, du secteur. C'est pour ça qu'on se concentre fortement sur la revalorisation des salaires des salariés. Malheureusement, on se retrouve confronté à un patronat qui joue un jeu qui n'est pas tolérable. Premièrement, ils essayent de perdre du temps au niveau des négociations, parce qu'on a attendu des mois jusqu'à ce qu'ils nous donnent des dates pour discuter, donc ils sont cachés. Deuxièmement, et pas plus tard que la semaine passée, on a finalement reçu leurs réponses par rapport à nos revendications qui sont un choc pour nous, qui sont inacceptables. Donc, pour faire court, le patronat refuse en bloc toutes nos revendications. Donc, refuse premièrement l'intégration des salariés administratifs dans la convention collective, quoiqu'il existe un accord d'il y a quelques années. Deuxièmement, refuse l'augmentation des salaires réels, refuse l'augmentation des jours de congé, refuse l'accès à la formation à tous les salariés de la construction, et j'en passe. Et en plus, le patronat revendique, et ceci malgré ce qui s'est passé en 2013, où le salariat de la construction s'est mobilisé massivement et était à quelques jours avant une grève massive dans le secteur, contre la flexibilité. Le patronat en 2017 n'a pas compris le message qui a été lancé par les milliers de salariés en 2013 et revendique à nouveau la flexibilité du temps de travail. Donc ce qui pour nous est inacceptable, par rapport à cette position patronale qui est incompréhensible, nous avons décidé de mobiliser les salariés du secteur. Donc les prochaines semaines, il y aura une présence accrue des délégués, des secrétaires syndicaux sur le secteur afin d'informer les gens, de mobiliser les gens et de faire en sorte à ce que le patronat comprenne que le secteur du bâtiment est un secteur qui revendique des revalorisations salariales importantes et qui refuse toute détérioration de sa condition, des conditions de travail et refuse encore une fois toute forme de flexibilité qui engendre des problèmes pour les salariés du secteur.